Le Noël de Max, de Rosemary Wells, édition École des loisirs. Devine, Max, a dit sa sœur Marie. Quoi ? A dit Max. Demain, c'est Noël, Max, a dit Marie. Et tu sais qui va venir ? Qui ? A dit Max. Le Père Noël, voyons, a dit Marie. Quand ? A dit Max. Ce soir, Max, il vient ce soir, a dit Marie. Où ? A dit Max. Crash, Max, a dit Marie. Le Père Noël va descendre par la cheminée tout droit dans notre salon, a dit Marie. Comment ? A dit Max. Assez posé de questions, Max. Dépêche-toi de t'endormir avant que le Père Noël arrive, a dit Marie. Mais Max voulait rester debout pour voir le Père Noël. Non, Max, a dit Marie. Personne ne voit jamais le Père Noël. Pourquoi ? A dit Max. Parce que, a dit Marie. Mais Max n'a pas du tout cru Marie. Alors, il est descendu tout doucement et il a attendu le Père Noël. Max a attendu longtemps. Tout à coup, zoom! Le Père Noël a sauté de la cheminée dans le salon. Ne regarde pas, Max, a dit le Père Noël. Pourquoi? A dit Max. Parce que, a dit le Père Noël. Personne ne doit me voir. Pourquoi? A dit Max. Parce que tout le monde doit être au lit, a dit le Père Noël. Mais en cachette, Max a quand même regardé le Père Noël. Devine, Max, a dit le Père Noël. Quoi ? A dit Max. Il est temps que je m'en aille et que toi, tu dormes, a dit le Père Noël. Pourquoi ? A dit Max. Parce que, a dit le Père Noël. Marie est descendue. Que s'est-il passé, Max ? A demandé Marie. À qui tu parlais ? Où as-tu trouvé ce chapeau ? Max, pourquoi ta couverture est-elle toute pleine de bosses ? Parce que, a dit Max.